L'après-midi qui vous est proposé par le major est une après-midi consacrée à la sécurité dans les aspects qui peuvent le plus vous inquiéter, vous intriguer et quelquefois malheureusement vous concerner. Transcription d'agglomération de police de Melun-Val-de-Seine, je suis très heureuse de vous présenter cette réunion prévention. Cette réunion de prévention est faite en partenariat, bien évidemment, avec votre police municipale. Et je vais vous énumérer les principaux thèmes qui seront abordés. On va vous parler, vous allez les découvrir petit à petit avec nous, une multitude de conseils additionnés aux uns aux autres en fonction de telle ou telle situation. Fera que vous serez plus en sécurité. Le thème qui sera abordé, ce sera la sécurité à domicile, le vol par ruse, le vol à la fausse qualité. Quand on parlait des renseignements sur la boîte à lettres, c'est vrai que moins il y a d'indications, et moins on renseigne les gens qui se trouvent à l'extérieur. Alors bien évidemment, alors ça fait toujours à sourire, ne pas laisser voler les sous pagaçons ou dans la boîte à lettres. Régulièrement, on a encore des gens qui laissent la clé, ou derrière le buffer, ou dans le buffer. Donc ça, les opportunistes dont je parlais tout à l'heure, c'est les premières cachettes qui font tout autour. Si vos voisins ont tendance à ouvrir les volets, privilégiez ceux qui sont visibles de la voie publique. Ceux qui sont d'un côté jardin, c'est inutile de les ouvrir et au contraire, c'est beaucoup plus dangereux. Vous risquez d'être de toute façon quand vous les par là. Ils passent rarement sur l'avant où c'est visible, ils privilégient plutôt les accès arrière et plutôt à l'abri des regards. Votre chapitre, votre sécurité dans la rue. En véhicule. Des vols de faire en cas d'agression, ça ce sera le conseil basique. Des conseils divers également pour se prémunir de certaines arnaques. Démarchage téléphonique. De 10 mesures pour assurer votre sécurité numérique sur Internet.